Le ciel est ouvert. Je vous prie de prendre place. Ceux qui n'ont pas de place de l'autre côté, venez le par ici. Le ciel est ouvert. Merci. Merci encore. Dans les quelques minutes qui nous restent, nous voulons juste écouter ta parole. Je te prie de nous inspirer ta parole, de nous communiquer ta pensée et de rafraîchir un homme et une femme. Ce matin, nous sommes venus à ta rencontre et nous voulons sortir avec un plus. Je demande ta grâce, je demande l'inspiration qui vient de toi, je demande ton onction. Je demande une mesure supérieure afin de transmettre fidèlement la pensée que tu as déposée dans mon cœur pour ce matin. Et je prie qu'une mouvance de l'Esprit de Dieu, que la grâce de Dieu soit véhiculée et que nous sortions bénis, édifiés, encouragés. Emmène-nous encore dans une autre dimension avec Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci la chorale, que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux m'aider juste à saluer ton frère de gauche et de droite par un 5 coudé comme ça de ma part. Souhaite-la la bienvenue. Amen. Et nous saluons toute la famille internaute qui nous suit au travers des médias, des réseaux sociaux. Alors nous avons une bonne nouvelle ce matin. Vous savez, quand le ciel est ouvert, Dieu aussi est à l'œuvre. Amen. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est que au mois de janvier, nous sommes en train de démarrer deux nouvelles églises. Une au Bénin, pour acclamer Jésus. Et puis à Brazzaville. Non, ton acclamation ne me convainc pas. Nous acclamons Jésus. Amen. Donne-moi un bon amen. Oulala. Non, en fait, ça, c'est pas l'acclamation. Jésus est en train de marquer des buts. Tu acclames comme si implanter une église pendant le Covid. Oh, je ne sais pas. Dieu est en train de travailler. Amen. Wow, gloire à Dieu. Dans les prochains jours, nous allons vous donner tous les détails, les coordonnées, d'accord. Vous avez la famille à Brazzaville, au Congo. Congo-Brazzaville. Donc, vous envoyez vos membres de famille là-bas, bien évidemment, qui n'ont pas d'église d'attache, ok? Qui n'ont pas d'église d'attache et qui aimeraient bien communier avec nous. Alors, quand vous voyagez aussi, vous savez où est-ce que vous allez atterrir. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Voilà, cette année, j'ai dit à Dieu, j'ai crié à Dieu qu'il nous fasse la grâce, non seulement de grossir, de nous multiplier ici, parce qu'avec le déménagement, nous devons grossir encore. Amen. Voilà, et que les extensions qui sont déjà là grossissent aussi, mais c'est aussi ouvrir jusqu'en décembre au moins 10 églises. Voilà, il y a 3 autres qui vont s'ouvrir après, 3 autres. On attend d'avoir le moment et puis on le dira, d'accord? Amen. Alors dis à ton ami, prépare-toi. Non, dis-le-lui bien, dis-le-lui bien, prépare-toi. Voilà, donc juste après le temps de jeûne et prière, je vais me déplacer le 1er février. Je vais partir une semaine pour visiter notre extension du Togo. Depuis qu'elle a commencé, je n'ai pas encore été. Donc je vais aller, d'après les rapports que nous recevons, je reçois en tout cas, il y a beaucoup d'âmes qui sont gagnées. Ils sont presque 1000 personnes. Ouais. Donc je vais aller moi-même voir. Voilà, amen. Voilà, je vais moi-même aller voir, constater. Et comme c'est à côté du Bénin, donc le frère de pasteur du Bénin, qui est un fils à moi, qui va nous rejoindre aussi,
et puis nous allons établir les choses. Alors, priez pour nous. Voilà pourquoi le temps de jeûne et prière, tu dois être là. Pas toi, sois là. Parce que nous sommes en train de crier ensemble, nous enfantons des choses. Amen. Amen, amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, je voudrais juste, je ne vais pas être long, je vais parler de quelque chose que j'ai déjà eu à prêcher quelque part. Le Saint-Esprit m'a convaincu d'en parler aujourd'hui. Vous savez, dans le livre de Luc, au chapitre 3, à partir du verset 21, nous avons lu que lorsque Jésus-Christ s'est rendu auprès des gens pour être baptisé, la Bible déclare que lorsqu'il est sorti du baptême, on nous dit que pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et l'Esprit de Dieu est descendu. Donc, on voit l'Esprit de Dieu qui descend, l'Esprit de Dieu qui agit, l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre lorsque le ciel est ouvert. Et je bénis Dieu cette nuit pendant que nous étions en ce lieu en train de prier le Seigneur pendant des heures et des heures. À la fin du temps de prière, après plusieurs heures, le Seigneur ouvre les yeux à un de mes pasteurs qui voit le ciel se dégager. Il y avait comme des oiseaux qui ressemblaient à des corbeaux et qui avaient emmené comme une ombre sur, en tout cas donc, sur le ciel, et cela se dégageait. Oh, quand j'ai entendu cette vision, ça m'a réjoui. C'est pour dire que Dieu est avec nous. Amen. Et la prière par la prière, le ciel est en train de se dégager. Et vendredi, nous avons reçu la visite du pasteur Yann-Antoine, un frère à moi qui est des Assemblées de Dieu, qui nous a parlé sur changer l'atmosphère. Et je crois que le message qu'il a apporté, que nous avons reçu, pour ceux qui n'ont pas été là, vous pouvez le revoir sur notre chaîne YouTube, avec ce que nous avons expérimenté hier, nous a encore montré que le Seigneur est à l'œuvre parmi nous et au milieu de nous. Amen. Je voudrais vraiment encourager quelqu'un. Nous sommes en train d'aller quelque part, sûrement, assurément, et nous arriverons à destination. Parce qu'il y a des choses à faire, il y a des âmes à gagner, il y a du travail à faire, et Dieu compte sur chacun de nous. Dieu compte sur ta prière, Dieu compte sur ta participation, ta contribution en tant que dans des talents, ta contribution matérielle, financière, autant que tu pourras pour qu'ensemble ce travail puisse aller de l'avant. Donc le ciel s'est ouvert et l'Esprit de Dieu est descendu. Nous sommes dans le livre de Ézéchiel au chapitre 47. Nous lisons le premier verset jusqu'au verset 5. Ensuite, nous lirons le verset 12. Ézéchiel 47, le verset 1 au verset 5. Et puis nous lirons le verset 12. Et il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. Et l'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Et il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait. Quelqu'un dit avec moi, l'eau coulait. Du côté droit. Et lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main, un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Et il me fit traverser l'eau, et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées. Et il me fit traverser l'eau, et j'avais l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et il me fit traverser, et j'avais l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, et c'était un torrent que je ne pouvais traverser, le débordement. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'est un torrent, notez bien le mot torrent ou encore fleuve, qu'on ne pouvait traverser. Verset 12. Et sur ce torrent et sur les bords de chaque côté croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Et leur feuillage ne se flétrira point et leur fruit n'aura point de fin. Et ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède.
Quelqu'un dit avec moi les quatre dimensions avec le Saint-Esprit. Note-les bien. Quatre dimensions. Je voudrais que tu sois attentif. Je ne serai pas long, je serai bref. Je vais condenser pour respecter le temps. Mais c'est un message important pour t'emmener, m'emmener, nous emmener ensemble d'un point vers un autre, d'une dimension vers une autre dimension. Voyez-vous, dans la Bible, il y a plusieurs typologies, plusieurs images qui parlent du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est, est la personne la plus importante dans la manifestation des œuvres de Dieu sur la terre. Voyez-vous, depuis Genèse, nous voyons l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Voyez-vous, quelque part, il est identifié ou encore il est comparé à du vent. Le vent symbolise souvent le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alléluia. Rappelez-vous, pour la nouvelle naissance, Jésus-Christ a dit, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Il dit, le vent souffle, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il est question donc du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, ils étaient tous ensemble assis dans un même lieu et tout à coup, il vint du ciel à un bruit comme celui d'un vent impétueux et qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Et ensuite, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées des unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux et furent tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Job dit que l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Et on nous a parlé que ce souffle, c'est ce vent purificateur qui vient également changer l'atmosphère, enlever l'atmosphère de la mort, de la tristesse, de la religiosité, de la haine pour établir l'atmosphère de la vie, de la joie, de la paix, de l'amour, de l'unité. Amen. L'Esprit de Dieu également comparé à de l'huile. Pourquoi? Car en dimension de l'huile, nous voyons la dimension de l'onction, la capacité surnaturelle de Dieu pour accomplir des œuvres. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Le verbe oint, c'est appliquer de l'huile sur. Et lorsqu'on est oint, on est consacré, on est mis à part pour une œuvre sacrée, divine, pour produire des fruits et des résultats. Isaïe 10, 27 nous dit que la graisse, le joug sera brisé, détruit à cause de la graisse. La graisse qui est l'image de l'onction, qui détruit et qui brise le joug. Il est question du Saint-Esprit de Dieu. Vous savez comment Dieu avait oint du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth, allant de lieu en lieu, faisant du bien aux gens et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Amen. Mais vous avez aussi, et la dimension où je veux plus m'attarder ce matin, c'est la dimension, n'est-ce pas, de l'eau. Il est comparé à de l'eau. Il est comparé à un torrent. Il est comparé à un fleuve. Prenez rapidement Apocalypse chapitre 22. Nous allons lire le verset 1 au verset 2. Apocalypse au chapitre 22. Le verset 1 au verset 2. Il est dit ceci. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. On nous parle ici, j'en vois par l'esprit. Il voit quoi? Un fleuve d'eau de la vie. Et cette eau est pure et claire et limpide comme du cristal. Et cette eau sort d'où? Elle sort du trône de Dieu et de l'agneau. Un seul trône, mais on parle de Dieu et de l'agneau qui est Jésus. Mais dans ce texte de Apocalypse 22:1, nous voyons la Trinité, nous voyons la divinité, la révélation de la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père assis sur le trône, l'agneau assis sur le trône, et du trône sort un fleuve, le fleuve de vie. Alléluia. Et on nous dit au verset 2, et au milieu de la place de la ville, quelle ville? La Nouvelle Jérusalem céleste, et sous les bords du fleuve, c'est le grand sanctuaire bien évidemment. Il y avait un arbre de vie qui produisait 12 fois des fruits et rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Lorsque l'Esprit de Dieu entre en œuvre, en mouvement, Dieu vise la guérison des nations. Notre nation a besoin d'être guérie. La France a besoin d'être guérie. Ton pays d'origine, d'où tu viens, d'où tu es originaire, je veux dire, a besoin de la guérison. Nos nations sont malades.
Comment apporter la guérison, la restauration sans le Saint-Esprit? Ce n'est pas possible. Lorsqu'on a amené Élisée à Jéricho, les gens de la ville de Jéricho ont dit, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Et j'aime la réponse d'Élisée, le prophète. Il demande à ce qu'on lui amène un plat neuf et qu'on y mette du sel. Le sel qui est aussi l'image du Saint-Esprit qui vient assaisonner de vie. Et il part à la source de eaux. Bien aimé, on ne règle jamais des problèmes à la surface. On règle les problèmes à la source, à l'origine. Il arrive à la source des eaux et il jette le sel à la source des eaux qui était amère. Et il déclare, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il ne produira plus ni mort, ni impureté. Alléluia. Nous avons besoin que Dieu guérisse notre nation. Après le mois de juin, nous allons commencer à prier intensement. Dieu a commencé à m'inspirer sur les stratégies de prière que nous allons mener. Parce que le temps arrive où les autochtones doivent être touchés et visités puissamment. J'ai été confirmé encore le vendredi dernier que c'était le temps. Alléluia. Bien évidemment, ça ne passera pas que par nous. Nous sommes juste une pierre parmi tant d'autres. Nous allons apporter notre pierre à l'édifice où nous allons être à genoux pour prier, demander à ce que l'atmosphère polluée de la France soit dégagée pour que les cœurs se tournent vers Dieu. Cette nation a rejeté Dieu. Cette nation vit à 200 à l'heure dans les raisonnements de l'athéisme. Il ne veut même pas entendre parler de Dieu. Quand on parle de Dieu, quand on parle de Jésus, on a l'impression que ce sont des gens qui manquent à faire dans la vie et qui vont juste aller passer leur temps alors qu'ils sont en train de mourir. Des vies qui sont brisées. Des mariages cassés. Des choses qui ne vont pas. Mais l'homme, cette nation notamment, a mis sa confiance dans la raison au lieu de chercher le Dieu vivant. Voilà pourquoi tu dois être rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est ma prière avant de finir ce message, que Dieu puisse oindre quelqu'un d'une manière exceptionnelle pour que tu sois un agent du réveil. Tu dois être un agent pour changer l'atmosphère. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu dois être un agent qui doit changer l'atmosphère dans cette nation. Et nous allons le préparer dans la prière. Ça va changer et ça doit changer. Je dis bien, quelles que soient les forteresses devant, ça va tomber. Entre Jésus et Dagon, c'est Dagon qui tombe. Et je déclare que le Dagon de la France a tombé. Parce qu'il y a un peuple qui a compris l'enjeu. Pas dans le souhait. Nous souhaitons des choses, mais nous ne menons pas des actions. Je veux emmener l'église dans la dimension des actions prophétiques, des actions de prière intense. Car on a vu que la prière est cette licence terrestre pour une interférence céleste. Tu vas avoir le mandat terrestre pour changer les choses dans le ciel et purifier l'atmosphère. Alléluia. La dimension de l'eau, c'est le Saint-Esprit. Prenez avec moi Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Nous lisons le verset 37 au verset 38. On peut même prendre au verset 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Donc on nous dit ici que l'Esprit est comparé au fleuve d'eau vive, au torrent, à de l'eau, à un torrent qui rentre. Il dit cela en parlant de l'Esprit qu'il devait recevoir. Jean chapitre 4, rapidement, nous prenons le verset 10 et puis nous allons prendre le verset 13 à 14. Jésus lui répondit, bien évidemment à la femme samaritaine, « Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit « donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même donné à boire. Et l'eau, et il t'aurait plutôt donné de l'eau vive. » Jésus lui répondit au verset 13, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai
n'aura plus jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Il est question ici du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est comparé à un fleuve de vie. D'Apocalypse 1-2, il est comparé à un fleuve, à des fleuves d'eau vive. Dans Jean 7, il est comparé à une source d'eau dans Jean chapitre 4. Donc ce que Ézéchiel voit une vision des choses qui vont se passer normalement à l'ère millénaire. C'est-à-dire lorsque le troisième temple qui sera érigé à Jérusalem, bien évidemment à l'emplacement où se trouve maintenant cette mosquée-là, vous voyez, de l'autre côté de la Palestine. Alors, ça sera détruit selon l'écriture et le troisième temple, au même emplacement, sera érigé et il voit comment est-ce que l'Esprit de Dieu qui vient comme de l'eau, qui entre dans le sanctuaire, dans la maison et qui commence à remplir progressivement la maison. C'est une image, c'est un message qui nous parle d'un certain nombre de choses, qui montre que lorsque l'Esprit de Dieu commence une œuvre, un travail dans la vie d'un homme et dans une femme, dans la vie d'une femme, il commence toujours à un niveau bas pour aller vers un niveau élevé. Alléluia. Peu importe le niveau dans lequel tu te situes aujourd'hui, je voudrais par la grâce de Dieu t'emmener à aller beaucoup plus loin et aller beaucoup plus haut. Amen. Alors comment est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit? On reçoit le Saint-Esprit lorsqu'on croit en Jésus-Christ. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà cru en Jésus ici? Amen. 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 Vous tous qui avez cru en Jésus, vous avez reçu l'Esprit. Et comme vous recevez l'Esprit, il est comme de l'eau qui commence à entrer dans le sanctuaire, à entrer dans ta maison. Tu es la maison de Dieu, tu es le sanctuaire de Dieu. Et la première dimension que je voudrais souligner ce matin, comme on l'a lu dans le livre de Ézéchiel au chapitre 47, lorsque l'Esprit ou encore l'eau est entrée dans le seuil ou encore dans le sanctuaire. Regardez, prenons le verset 3. On nous dit, il y a eu un homme, bien évidemment c'était un ange, qui s'avança vers l'Orient et il avait dans sa main un cordeau, hein, quelque chose pour mesurer. Il mesura 1000 coudées et il me fit traverser l'eau. Ça c'est maintenant Ézéchiel qu'on est en train de faire traverser l'eau. C'est Ézéchiel peut te représenter. Et il dit, j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Dis avec moi, les chevilles. Première dimension, note bien, c'est les chevilles. Première dimension, c'est les pieds. Quand on parle de chevilles, on voit le pied. Et dans la Bible, les pieds, c'est symbolique. N'est-ce pas? Isaïe nous dit qu'il est beau sur les montagnes, le pied de ceux qui annoncent l'évangile. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 15, l'apôtre Paul dit, ayez à vos pieds les chaussures de zèle que donne l'évangile de paix. C'est-à-dire quand l'eau arrive, quand l'esprit commence à toucher tes pieds, il te communique d'abord ce qu'on appelle le zèle. Dis avec moi le zèle. Et le zèle, c'est quoi? Le zèle, c'est le désir ardent. Le zèle, c'est l'empressement qu'on a pour les choses de Dieu. Le zèle, c'est quelque chose qui bouillonne au-dedans de toi. Ça brûle au-dedans de toi. Et tout ce que tu as envie de faire, c'est d'être utile pour Dieu. Être utile pour la maison de Dieu. Aller annoncer l'évangile partout. Voilà pourquoi vous remarquerez que la plupart des gens, lorsqu'ils rencontrent Jésus pour la première fois, alors ils sont tellement touchés, bouleversés, ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller raconter partout ce que Jésus a fait pour eux. Malheureusement, ce désir-là s'estompe avec le temps. Plus on demeure, plus on vient à l'église, plus on sert Dieu, moins on perd le zèle, plus je dirais on perd le zèle. Mais je voudrais aujourd'hui t'encourager à ne jamais perdre les zèles de tes pieds. Alléluia. Tu dois être embrasé. Dis avec moi, embrasé. Tu dois avoir le feu au-dedans de toi. Oh, j'aime quand Jérémie dit, quand je dirai, je ne ferai plus mention de lui, il y a dans mes os comme un feu qui me consume à l'intérieur. Au-dedans de moi, vous me voyez, je peux être fatigué, je peux être éprouvé, mais quand l'Esprit me saisit, il y a comme un feu au-dedans de moi. J'ai envie de crier partout, Jésus vous aime, Jésus est Seigneur. Oh,
Aujourd'hui, Dieu dit à quelqu'un, va raconter aux autres ce que Dieu a fait pour toi. Tu n'as pas besoin de connaître toute la Bible par cœur. Tu as juste besoin de connaître Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Alléluia. Je disais alléluia. Dis avec moi, donne-moi le zèle de l'évangile. Non, je veux que ça soit une prière. Dis, donne-moi le zèle de l'évangile. Jésus pouvait dire, le zèle de ta maison me dévore. Vous savez, quand vous êtes dévoré par quelque chose, quand quelque chose attire votre attention, quand quelque chose vous bouillonne à l'intérieur, c'est difficile de vous arrêter. Je suis venu dire à quelqu'un, on t'a longtemps arrêté. 2021, on t'a peut-être ligoté. Là, quelque chose va être plus fort que toi. Ah, tu ne pourras pas le contenir. Ah, tu ne pourras pas le maintenir. Tu seras enflammé à l'intérieur comme à l'extérieur. Oh, que Dieu donne à quelqu'un le feu ici. Oh, tu as besoin du feu de l'évangile. Y a-t-il des gens qui veulent des gagnants d'âme ici? Levez les mains. Je vais prier pour vous tout à l'heure. Vous allez recevoir un feu terrible. Un feu terrible. Partout où vous allez vous retrouver. Que ce soit en famille, dans les métros, à l'école, partout au travail. Ça va bouillonner au-dedans de vous. Nous ne pouvons ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. Oh Seigneur, je vais encore bouillonner dans ce feu. Ah non! Ne te laisse pas emporter par quoi que ce soit. Sois enflammé pour Dieu. Ça, c'est la première dimension. Ça te donne le zèle, le premier amour. Tu aimes Dieu, les choses de Dieu. Tu aimes marcher avec Dieu. Tu aimes lire ta Bible. Tu aimes aller à l'église. Tu aimes. C'est ça le zèle. Lorsqu'un homme aime une femme, il va tout faire pour courir après elle. C'est ça le zèle. C'est ce qui te pousse à courir après les choses que tu désires. C'est ça le zèle. Ça te donne la soif de Dieu. David dit, mon âme soupire après Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand paraîtrai-je encore devant sa face? Deuxième dimension. Dis avec moi, deuxième dimension. L'eau arrive jusqu'au genou. Dis le genou. Regardez le genou. Lorsque je suis debout et qu'on dit à genoux, c'est comme ça, n'est-ce pas? Et ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Hein? Se prosterner, prier. Ça veut dire que l'eau, l'Esprit de Dieu, plus il monte et commence à toucher tes genoux, tes genoux commencent à se plier devant sa souveraineté. Tes genoux te commencent à plier devant sa seigneurie. Tu commences à aimer la prière, à désirer la prière. Ça vous est déjà arrivé deux fois, le sommeil se coupe la nuit et vous avez juste envie de prier? Bon, il y en a, ils ne savent pas pourquoi le sommeil se coupe. Bien aimé, ne chasse pas l'esprit d'insomnie. Non, c'est le temps de prier. C'est un rendez-vous. Parce que j'entends quelqu'un dire, je chasse l'esprit d'insomnie. Et plus tu chasses, ça ne part pas. Ça veut dire que tu dois rester à genoux. Alléluia. Oh, que cette année que ton sommeil se coupe. Il y en a qui n'ont pas dit amen, mais j'ai dit amen à ta place. J'ai dit que cette année, Kader, que ton sommeil se coupe encore. Oh, tu vas rien comprendre. Il m'arrive des fois, je suis très fatigué. Je peux faire des séminaires. Mon corps est fatigué. Tu rentres pour dormir. Non, quelque chose te réveille et tu te lèves. Ramrezaka, l'inderebo. Je mets mes écouteurs et je suis en langue. Et plus tu pries en langue, tu es en train de recharger les batteries. Tu es en train de t'édifier soi-même. Tu es en train de détruire les interférences dans le monde céleste, spirituel, démoniaque. Tu es en train d'ouvrir le ciel. Bien-aimé, la prière est très dangereux, ce mat très dangereux. On nous a parlé ce matin de quoi? De l'importance de la prière, n'est-ce pas? La prière spéciale. Zorobabel, que Dieu te bénisse. La prière spéciale. Bien aimé, Dieu est un Dieu qui ne répond que par la prière.
C'est vrai, il te promet des choses, mais les promesses ne peuvent jamais se matérialiser si toi-même tu n'entres pas dans la dimension où tu vas reprendre ces choses par la force. By fire and by force. Et le temps est arrivé pour l'église. Le temps est arrivé pour nous ici que nous montions encore plus dans la prière. Il dit, le ciel était ouvert et il entend une voix. Il dit, monte ici et je te ferai voir. Lorsque tu commences à prier, plus tu pries, plus tu montes dans les hauteurs. Plus tu pries, plus tu montes sur l'échelle. Tu quittes la position basse, humaine, et tu vas dans la dimension céleste, dans la dimension du surnaturel, dans la dimension de la révélation. C'est pourquoi il a dit, invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Oh, je disais à quelqu'un, reçois la grâce de la révélation. Reçois la grâce pour que tu puisses voir les choses cassées. Oh, pendant que je suis en train de parler, Dieu me dit, il y en a ici. Vous allez commencer à voir des visions comme à l'écran de télé. Dieu va commencer à vous parler clairement. Ne doutez pas. Tes yeux sont en train de s'ouvrir. Je vois un voile qu'on avait mis sur toi qui est en train de se déchirer parce que Dieu est en train de t'emmener dans une nouvelle dimension de la révélation. Lorsqu'il n'y a plus de révélation, le peuple est sans frein. Bien-aimé, tu connaîtras l'avance des choses qui vont arriver. Et tu vas être un prophète pour les annoncer. Ah, ne regardez pas ce que je vis aujourd'hui. Je vous annonce des choses qui vont arriver demain. Ce que j'aime avec Dieu, je ne le trouve nulle part dans une religion. Il est celui qui annonce à l'avance les choses avant qu'elles n'arrivent. De sorte que quand ça va arriver, qu'on dise assurément, Dieu a parlé. Il est en train de faire de toi un prophète. Ah, une église prophétique, c'est une église qui prie. Une église qui adore Jésus. Une église qui cherche Dieu. Oh, que l'eau monte encore. Dis que l'eau monte encore sur mes genoux. Que l'eau monte encore sur mes genoux. Oh, sarababa, siarababa. Le Saint-Esprit m'a donné des stratégies que nous allons mettre en place à partir de mi-février. Ça va déménager, je vous assure. Le message de vendredi, c'était dans une telle simplicité, mais c'était tellement profond. Je vous assure, nous allons changer l'atmosphère. Oh, tu n'es peut-être pas en train de me croire. Si dans ta famille, il y avait toujours l'atmosphère des morts bizarres, à une période, les gens mouraient. Quand tu arrives, tu dis, au partir de maintenant. Oh, je vois quelqu'un qui déclare, à partir de maintenant, fini des morts précoces. Fini ce problème, fini. Oh, donne-moi un bon amen. Je suis en train de voir un homme et une femme qui changent l'atmosphère. Il est question de toi. Tu vas changer l'atmosphère. Je déclare, tu vas changer l'atmosphère. Nous allons changer l'atmosphère. L'esprit de religiosité va tomber. On va voir un peuple assoiffé. On va voir un peuple désireux de voir Dieu. Tout ce que se veut, c'est Dieu. Et je vous assure, quand le ciel s'ouvre, quand le surnaturel commence à se manifester, tu vois les choses pour lesquelles tu fournis beaucoup d'énergie pour très peu de résultats. Tu vas fournir très peu d'énergie et tu auras beaucoup de résultats. Oh, je le déclare pour quelqu'un. Dieu va travailler pour toi sans toi. Dieu va ouvrir des portes que tu n'imaginais pas. Je te déclare, Dieu va ajouter à l'église, le Saint-Esprit va ajouter à cette église des âmes. Oh, ceux qui sont sauvés, je vois des nations, je vois des âmes. Ils viennent en foule, elles viennent, pardon, en masse. La Bible déclare, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera élevée au-dessus des montagnes et que les nations afflueront. Bien aimé, là où nous sommes en train d'aller, ça ne sera pas vide, croyez-moi, parce que le but, la volonté de Dieu, c'est que sa maison ne soit pas vide. Je vois les nations qui viennent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre. Le Saint-Esprit va les attirer. Il va faire la publicité. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, je n'ai pas d'abord besoin de Facebook. Je n'ai pas d'abord besoin de flyers. J'ai besoin du Saint-Esprit. Le meilleur marketeur. Ah, le meilleur publicitaire. L'agent de publicité qui ne sous jamais. C'est pourquoi montons dans la prière. Église, prions. Venez supplier Dieu ici. Ne restez pas chez vous. Venez. On se consacre. Et Dieu répond au sacrifice. Et ça doit changer. Je disais, ça doit changer. Vous savez, tout ce que j'ai annoncé, Dieu m'a dit d'annoncer en janvier dernier. Je dis bien,
tout, on les a vus. La première chose que j'avais annoncé, nous allons avoir besoin de 200 piliers. On a besoin de 240 000 euros pour finaliser le projet. Bien aimé, on a eu plus de 110%. Ça a été dépassé. Au mois d'octobre, ça a été dépassé. Il a dit qu'on allait avoir le bâtiment. Dieu nous a donné. Et je vous annonce aussi, la même parole qui est annoncée hier, je vois des nations venir. Il y aura beaucoup d'Asiatiques. Je vois des Pakistanais. Ah oui, 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 oui. Je vois des Italiens. Je vois même des Chinois. Ah oui, oui, vous allez le voir. Notez, notez. Je ne suis pas un prophète de malheur. Je les vois venir en masse. C'est pour cela que nous devons nous préparer à bien vivre en communauté. Ne dis pas, nous, on est Africains, nous, on est Blancs. Non, on est ensemble. Regarde ton voisin, dit, on est ensemble. Non, non, regarde bien, dis-le, on est ensemble. Parce que le jour où l'Esprit est descendu, il y a eu diversité de langues. C'est comme pour dire que dans l'église, il doit y avoir diversité d'origine, de culture. Autour de la culture du royaume de Dieu. Que le règne de Dieu vienne. La troisième dimension, il mesura encore l'eau. Et la Bible dit, l'eau est venue au niveau des reins. Quelqu'un dit avec moi les reins. Alors à ce niveau-là, c'est un peu, ça fait un peu mal. Parce que le rein représente l'homme intérieur. Dans la Bible, le rein est lié au cœur. Lisez dans Jérémie chapitre 17, le verset 9 à 10. Il a dit que le cœur de l'homme est tortueux, il est méchant parmi, au-dessus de tout. Il est méchant, il est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Et Dieu dit, j'éprouve le cœur pour rendre à chacun selon ses œuvres. Dans Psaume chapitre 26, le psalmiste se dit, sonde-moi et connais mon cœur, éprouve mon cœur, vois si je suis sur une mauvaise voie et ramène-moi dans la voie de la justice, dans la voie de la vérité. Amen. Dans Psaume au chapitre 139, le verset 23 au verset 24, il dit la même chose. Sonde-moi, éprouve-moi. Là au niveau de rein, là maintenant Dieu commence à sonder tes motivations. Il commence à sonder les choses qui te poussent à faire des choses ou à ne pas faire des choses. Et à cette dimension, c'est là où on pleure. À la dimension de rein, c'est là où on passe par le creuset, passe par le feu. On passe par des souffrances. Parce que l'Esprit de Dieu, son action est toujours accompagnée d'une souffrance dans la chair. Pourquoi la souffrance dans la chair? Parce que cette chair est corrompue. Elle doit mourir, elle doit être crucifiée. Pour que l'Esprit de Dieu se mouve, il faut que ta chair meure. Et c'est la dimension de la mort, la dimension de la crucifixion, la dimension des souffrances, de rejet, d'abandon, de trahison. Avoir l'esprit ne veut pas dire que tout le monde sera d'accord avec toi. Tu peux être trahi, abandonné, rejeté, détesté. Tu peux être calomnié, critiqué, injurié. On peut créer toute une histoire, monter une histoire de toutes pièces contre toi juste pour te nuire, te dénigrer, nuire à ta réputation. La médisance et la calomnie, les fausses accusations, les injures, ça c'est la dimension des reins. Et à cette dimension, il se pourrait que tu pleures, il se pourrait que tu gémisses, comme Jésus à Gethsémané. Il était là en train de pleurer, il était là en train de gémir. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non ma volonté, mais ta volonté. À la dimension des reins, tu seras éprouvé. Ta volonté propre sera éprouvée. Veux-tu suivre Jésus? Jésus a dit à Pierre, écoute Pierre, lorsque tu étais jeune, tu te saignais toi-même. Tu allais où tu voulais et tu faisais ce que tu voulais. Mais quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te saindra et te conduira où tu ne voudras pas aller. Là, l'Esprit de Dieu met à l'épreuve ta volonté. Il ne veut plus que tu sois un chrétien yo-yo qui fait des choses parce qu'il a envie ou parce qu'il n'a pas envie. Tu dois mourir à ça. Que j'ai envie ou pas, je suis Jésus. Que j'ai envie ou pas, je dois obéir aux commandements, aux préceptes de Dieu. Que j'ai envie ou pas, je dois servir Dieu.
à la dimension de rein. Les problèmes de tout genre vont se soulever. Des persécutions à gauche, tribulations à droite, difficultés, manque. Des problèmes qui t'arrivent, tu te dis, mais j'ai l'impression que le ciel me tombe dessus. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Et dans cette dimension des reins, Dieu semble absent. Tu pries, pas de réponse. Tu viens écouter un prophète, pas de prophétie pour toi. Ne te fâche pas. À chaque fois que tu vis un silence de Dieu, c'est que Dieu est en train de travailler quelque chose en toi. Il veut t'amener dans une dimension de maturité. Ah oui, lorsqu'on est enfant, on aime bien les sensations, les sensationnels. Mais à une dimension, Dieu te retire ça. Quand je commençais mon ministère, quand je prêchais au début, tout le temps les gens tombaient, l'esprit touchait les gens. Mais à un moment donné, c'est comme si, fini. C'est pas que Dieu a fini. Il veut t'emmener dans une dimension où je ne dois plus compter sur les sensationnels. C'est la foi. Oui. Que je vois ou pas, je sais qu'il est là. Je n'ai pas besoin de sentir. Où j'ai prié 2 heures, mais je n'ai pas senti. Tu n'as pas besoin de sentir. Ce sont les bébés qui sentent. Mais je vois des hommes matures ici et des femmes matures ici. Sensation ou pas sensation, il est là. Dis avec moi, il est là. Dis, Jésus est avec moi. Non, je suis venu t'annoncer. Dis à toi-même, Jésus est avec moi. Jésus marche avec moi. Mon ami, je viens te dire aujourd'hui, il est avec toi. Tant que tu n'as pas péché, tu n'as pas abandonné, il est là. Même quand c'est sombre, même quand c'est noir. Ah, on a vu cette semaine. Il dit, j'avais dit, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort. Bien aimé, la vallée de l'ombre de la mort existe, c'est cette dimension. Mais la vallée, on n'y demeure pas, on y traverse. Traverser, ça veut dire être en mouvement vers un point A, vers un point B. Peut-être que je suis au milieu de la traversée, peut-être que je suis à 3/4 de la traversée. C'est qui est sûr, j'arrive à l'autre bout, à la 4e dimension. Ah, quelqu'un ne m'a pas bien compris. Je suis venu dire à quelqu'un, peut-être que tu es au début, peut-être que tu es au milieu, peut-être que tu es à la fin, mais assurément, tu vas arriver à la fin. Assurément, il a dit, allons à l'autre bord, tu ne resteras pas là. Il n'a pas dit que tu couleras, il n'a pas dit que tu sombreras. Il a dit, allons à l'autre bord. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, j'arriverai? Dis avec moi, j'arriverai. Dis avec moi, je réussirai. Dis, je gagnerai. Dis, je toucherai la gloire de Dieu. Dis, je saisirai la gloire de Dieu. Non, déclare-le avec moi, je saisirai la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Il n'a jamais dit que tout serait facile, mais il a dit que tout serait possible. Possible ne veut pas dire facile. Ça peut être difficile, mais c'est possible. Oui, notre projet, ça a été difficile. Je vous assure, on a sué. Mais ce n'était pas impossible. Le Dieu de toute impossibilité. Je te dis, il est ton Dieu. Quand l'église perce, ta vie perce. La percée que Dieu a donnée à l'église, c'est un signe que la percée de ta vie est en train d'arriver. Oh, tu ne m'as pas compris. La percée de l'église, c'est ta percée. La montée de l'église, c'est ta montée. La dimension à laquelle Dieu amène l'église, c'est la dimension à laquelle Dieu veut t'étirer. Oh, ce matin, je vois des gens que Dieu va étirer. Ah, Dieu va te booster. Dieu va te... Ah, c'est comme ça. Dans cette église, il y a beaucoup de prophètes et de prophétesses. Dans cette église, il y a beaucoup de gagnants d'âmes. Et il y a des prophètes et des prophétesses ici qui ne veulent pas reconnaître qu'ils sont dedans et ils ne veulent pas servir Dieu. Je vous assure, je prie Dieu qu'il vous soulève maintenant. Je prie Dieu, vous n'allez plus vous asseoir. Ça va être plus fort que vous. L'esprit va vous pousser à faire des choses. Là, je vois un niveau d'engagement dans le monde spirituel qui a commencé à naître, à grandir, à prendre de la place et du volume. Ça ne va plus vous laisser tranquille. L'esprit de Dieu est pressé. Écoutez-moi très bien, je ne suis pas là pour vous flatter. Ok? Je suis en train de vous dire, l'esprit de Dieu va vous booster, vous challenger. Tu ne pourras plus. À moins que tu sois un rebelle. Mais si tu es un vrai enfant de Dieu, je te dis, le temps où tu t'es assis longtemps est fini. Le temps où l'Esprit de Dieu va commencer à te saisir. La gloire de Dieu va commencer.
tu vas commencer, même chez toi à la maison, tu vas commencer à prophétiser. Les choses vont. Oh, je vois même les enfants. Il a dit même sur mes enfants, même sur les serviteurs, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je prie qu'il y ait une onction prophétique. D'ailleurs, on va me demander à tous les enfants de revenir. Je vais prier pour eux encore. Oh, je suis en train de finir. Dis avec moi, quatrième dimension. Dis quatrième dimension. La Bible dit qu'il y avait l'eau, c'était devenu comme un torrent. Dis avec moi un torrent. Un torrent, ça veut dire que c'est un fleuve. Et quand on parle de fleuve, on voit là où tu perds pied. Dans un fleuve, il y a des courants. Et le courant t'emporte. Prenez avec moi psaume 46. Psaume 46, verset 5. Je voudrais qu'on le lise ensemble à haute voix. Psaume 46, prends-le dans ta Bible s'il te plaît. Psaume chapitre 46, le verset 5. Que dit la Bible ici? Oh, marvelous Holy Spirit. Oh. On peut le lire ensemble? 1, 2, 3. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Ok, tu n'as pas trouvé. Tu vas, je te laisse encore un peu de temps pour trouver. Psaume 46, le verset 5. Lisons-le encore à haute voix. 1, 2, 3. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. La maison là, c'est la cité de Dieu. Le sanctuaire là, c'est la cité de Dieu. Mais l'eau a commencé petit comme à la source, et petit à petit ça monte vers les profondeurs. Et la Bible dit la quatrième dimension, quand ça devient un torrent, il y a des courants. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà nagé dans un fleuve. En tout cas moi jamais. La fois où j'ai nagé dans une piscine, je me suis noyé et puis je me suis dit plus jamais. Donc priez pour moi pour que le traumatisme, je sois délivré de l'esprit de traumatisme de l'eau et de la piscine. Donne-moi un bon amen. Amen. Mais là je te parle d'une piscine spirituelle. Alléluia. Bien-aimé, là quand tu rentres dans cette dimension, il y a tellement de courants qui te poussent. C'est-à-dire, dans cette dimension, tu perds pied. C'est-à-dire quand tu n'as plus pied, tu ne te maîtrises plus. Je vois la dimension où les gens ne vont plus se maîtriser. Qu'est-ce qui va te pousser? C'est le vent. Voilà pourquoi il a dit, le vent souffle, tu entends le bruit. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Oh, la saison arrive. Église de résurrection, prépare-toi. Dans cette saison de ciel ouvert, le temps arrive où tu vas perdre pied, où Dieu lui-même sera au contrôle. Oh, je vois Dieu prendre le contrôle de ta vie et te pousser avec une force surnaturelle. Et quand tu es poussé comme ça, il t'amène dans une dimension d'abondance. Oh, dis avec moi l'abondance. Tu es submergé par l'esprit. Au-dedans, au-dehors, c'est l'esprit. À gauche, à droite, l'esprit. Devant, derrière, l'esprit. Enveloppé par l'esprit. Habillé par l'esprit. Marchant par l'esprit. Adorant par l'esprit. Venant à l'église par l'esprit. Tu n'as plus rien faire par la chair. Oh, je vois l'esprit prendre le contrôle des gens. Ah, j'ai dit tout c'est par l'esprit. Tu vas au travail par l'esprit. Tu as des questions difficiles à résoudre. L'esprit supérieur vient te donner l'intelligence. Oh, je vois quelqu'un qui va résoudre les énigmes. Je vois quelqu'un ici qui va avoir l'intelligence pour répondre à toutes les questions difficiles au-dessus du PDG. Et je t'informe, le Saint-Esprit qui est sur toi est plus intelligent que ton chef. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. C'est pourquoi je dis, le temps de ta promotion arrive. Quand le Saint-Esprit t'amène, il te positionne. Dis avec moi positionnement. Dis avec moi établissement. Dis avec moi abondance. Et règne. C'est ta dimension au nom de Jésus. Oh, c'est pourquoi je vais redire à quelqu'un. Dis avec moi 2022. Bienvenue Saint-Esprit. Non, il y a un pasteur Bénin qui avait écrit un livre, Bonjour Saint-Esprit. C'est pour dire que quand tu dis bonjour au Saint-Esprit, ta journée commence en beauté. Mais aujourd'hui, je te dis bienvenue Saint-Esprit. Tu diras bonjour Saint-Esprit, bon après-midi Saint-Esprit, bonsoir Saint-Esprit, bonne nuit Saint-Esprit. Ah, y a-t-il les hommes et les femmes qui veulent laisser la dimension de l'esprit les transporter? Oh, plus haut, plus loin. Alors, élève tes mains vers Dieu. J'ai fini. Élevons-nous dans la présence de Dieu, levons-nous. Levons-nous, s'il vous plaît, ensemble. Levons-nous tous, élevons-nous mains vers Dieu. Aujourd'hui, nous avons voulu laisser l'honneur à nos enfants. Voilà pourquoi j'ai voulu juste donner un message, une prédication d'encouragement pour dire que les quatre dimensions sont possibles. Oui,
ne laisse aucune dimension t'échapper. Dis Seigneur, je veux bénéficier de 4 niveaux. Je veux bénéficier. Come on, élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Tu vois, toi qui te sentais faible, il y a comme une force surnaturelle qui va commencer à te rajeunir, à te raviver. Il dit, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Élève nos voix, élève nos voix, élève ta voix. Pendant que tu es en train d'élever ta voix, il y a comme l'eau qui est en train de venir. L'eau est en train de venir, elle est en train de venir, elle est en train de couler. Oh, le ciel est ouvert. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Levons nos mains au ciel, s'il vous plaît, si c'est possible, bien sûr. Oh, Shalama. Prions, 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 prions. Que je prie pour vous. Aigle, aigle, viens, 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 chante avec moi. Le ciel est ouvert. Oh, 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 chante ce chant. Le ciel. Chante que le ciel est ouvert. Voilà que tu sens qu'il est en train de s'ouvrir. Commence à chanter. Le ciel est ouvert. Quelque chose ce matin, je le vois quelque chose ce matin. Le ciel, le ciel est ouvert. Oh, 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 oh. Le ciel est ouvert. Oh, il est là, il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'eau est en train de couler. Vive au ciel. Chante, 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 le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Oh, oh, le ciel est ouvert. Là où tu es maintenant, que tu sois devant, que tu sois derrière, que tu sois dans la foule, le Saint-Esprit, par son action, il est en train de se déployer. Tous les prophètes de Dieu, tous les gagneurs d'âmes, les évangélistes, tous ceux qui ont le don de Dieu, recevez une nouvelle dimension de sa grâce. Il y a une portion de son onction. Que tu sois devant, je dis bien, surveillez, accueil, protocole, surveillez. La gloire de Dieu est ici. La gloire de Dieu. Il y a des gens qui sont en train d'être visités. L'esprit de prophétie est en train de balayer, de saisir des hommes et des femmes.
recevez. Il souffle. Voici l'esprit. Je dis voici l'esprit. Il vient sur toi. Il te saisit maintenant même. Il te donne de nouvelles chaussures pour aller évangéliser. Prêcher l'évangile. Tu reçois le don de parler en langue. Tu commences à prier. Oh, charababababababa. Quelque chose ici. Regarde, il est en train d'arriver. C'est comme des vagues. C'est comme des vagues. Un flot appelle un autre flot. Tu ne te tairas plus. Il te saisit. Il saisit ta langue. Je vois des langues enflammées. L'Esprit de Dieu est là. Oh my God. Voici l'Esprit de Dieu. Il te localise. C'est honneur. Je te dis, homme, femme, c'est honneur. Jeune homme, jeune fille, c'est honneur. Il t'appelle. Il y a un rendez-vous divin avec toi. Quelque chose de glorieux que Dieu veut faire avec toi. Engage-toi. Entre dans la barque. Entre dans le bateau. Il veut t'emmener. Il veut t'embarquer.